Le charbon. Le charbon. Le charbon, le charbon. Merci Popju pour le sub. Prime. Ah, c'est vrai que c'est pratique quand même d'avoir la vision. Vous êtes vraiment malin. Vous êtes des petits malins, vous. Du coup, t'as récupéré quelques rotors. Faut dire, quand t'as démantelé ton. Ouais, je crois, il en avait fait 18. Il en avait déjà fait 18, si tu en as besoin, tu peux te les amener. Non, je vais venir les chercher en fait. Ouah, les câbles, on en a tellement, au secours. Ça a stacké tellement de câbles. Les câbles en fait, ça se dépense même bien. Pas en fait. Non, mais en plus, c'est bien parce que là, on a bien tout automatisé. Donc là, on va avoir un stade où on pourra être en mode, on pourra enchaîner un peu les jalons dès qu'on aura les plaques de fer et les rotors. Ouais, de fou. Il manquera plus que les blocs modulaires, dont on va beaucoup se servir aussi, je pense. C'est quoi ça? La troisième ressource T2 qu'on a eu, donc rotor, les moteurs, il y a les plaques et les blocs modulaires. Tiens, vas-y. Et après, il y a encore d'autres trucs, les moteurs. Passe-moi les rotors. Ah, mais il en faut 25. Oh, vas-y, je produirai les autres à la main. Les rotors, ils sont là. Merci bien. Du coup, 30. Comme ça, je vais aller chercher le bon char. Ah, je viens de lâcher du V2 là. Ah, ouais, non, attends, je vais enlever ça. Oh, ça lâche du V2. Ah, mais non, mais. J'ai changé le raccourci, sans faire, je vais remettre le raccourci d'avant. J'ai mis convoyeur V2 en raccourci, donc dès que j'appuie sur raccourci, ah oui. Paf, des V2. J'avoue, il faut des milliards de plaques. Heureusement que mon chat est là. Bien vu. Bien vu, bien vu. Kenny, coup, là, on sort. Feu. Pour le bon char. Bon, let's go. Attends, je fais cette prod de rotor et c'est juste parti. Oh, par contre, moi, vous dites let's go, machin et tout, mais je sais pas du tout ce que ça implique, le charbon. Bah c'est c'est-à-dire qu'en gros je vais pouvoir miner du charbon avec des mineurs, envoyer ça dans des générateurs à charbon en fait, et renvoyer ça dans les machines en fait. En gros produire de l'électricité infinie sans avoir à farmer de plantes en fait. Donc c'est trop bien. Oh, le premier gisement est si loin de charbon par contre. 640 mètres. J'en ai un à 518 mètres là-bas. Quoi? 1176 km. Alors du coup faut mettre quoi? Une centrale à charbon sur le truc de charbon? Non, tu mets un mineur sur le truc à charbon qui va sortir le charbon comme n'importe quel mineur ouais, en fait. Ok. Et du coup, tu récupères ce charbon qui est traité dans le générateur à charbon et puis ça génère de l'énergie quoi. Oh le tracteur. Oui, le petit tracteur à charbon qui va faire ses 1000 mètres et qui va ramener plein de charbon. Dans le tracteur. Oh, ça va être trop bien. Bon, on a compris que vous avez joué au jeu, vous arrêtez les spoils là, vous êtes chiant. Supportable. Alors du coup. Moi je vais aller commencer le charbon en fait. Mais alors quoi, il faut mineur MK1 et à la sortie direct centrale? Ah oui, bah oui. Non, tu mets mineur et tu ramènes le charbon dans un coffre ou quoi et tu le dispatches dans tous les générateurs à charbon, tu vois. Il faut pour faire une centrale à un endroit, tu vois. Ah mais tu veux pas qu'on fasse une centrale à côté de la mine et qu'on amène ensuite un câble? Et qu'ensuite on le divise en multicâble. Et en gros à chaque gisement de charbon, on va mettre une mine avec un générateur et on ramène ça sur nos installations, on peut faire ça ouais. On fait des mini centrales indépendantes sur chacun des gisements entre guillemets. Et du coup bah elles se gèrent toutes seules, elles s'alimentent toutes seules et elles alimentent notre réseau puisque dans tous les cas il n'y a pas de limite de distance à ce niveau là quoi. Je sors de l'ombre pour dire que j'apprécie fortement ce stream, je vais sûrement me prendre le jeu sans oublier le code créateur Zerator. Merci Dom Pichot. Si vous achetez le jeu Satisfactory, n'oubliez pas code créateur Zerator. Merci à tous et amusez-vous bien. Fait comme t'as dit, c'est le plus opti et c'est bien pour éviter le lag. Ah ouais. Allez, convoyeur, c'est mieux pour éviter le lag. Non, c'est pas ça. C'est faire un, tu sais, faire tout là-bas et amener un câble électrique. Ah ok. On va faire ça alors. Ok, alors, convoyeur normal. Hop. Convoyeur normal. Non, convoyeur V2. Ça, c'est vis. Oui. V2. Ok. Bon, d'accord. Un grand câble. Ouais, bah plusieurs poteaux, quoi. Ok. Ah, mais en fait, on fera l'aller-retour. Ah. Bon, t'es chiant. Ah ouais, faudra faire un aller-retour de câble en effet, parce qu'il faut le premier câble qui y va. Go avec une voiture. Ah ouais, mais j'ai la flemme de me crafter la voiture pour aller faire ça quoi. En plus, faut quoi? C'est quoi ce truc là? Le tracteur?
C'est quoi ce truc là? Des tiges de fer? Non. Des balises? Ah, vos 5 balises. Non, un seul câble. Ah oui, il fera l'aller-retour, je suis con. Mais c'est vrai parce qu'il fait aller-retour en fait. Cadre modulaire, rotor, balise. Ok. Tac. Ça arrive les rotors là? Tac, ok. Ouais, je pense que je vais être bon là, j'ai fini l'installation. Maintenant, il faut juste que je vérifie qu'on ait assez d'énergie. Est-ce qu'il nous faut une autoprod de cadre modulaire? Je pense qu'il va falloir. Hein. Oui, il va nous en falloir. Peut-être pas tout de suite, parce que je vois pas dans quoi on en a besoin. Bah, ça commence là un peu, les demandes. Bon, ça va peut-être sauter l'électricité, hein. Je sais pas si on a assez d'énergie. Ok. Sauter, hein. Les selles pour le hub, ça me paraissait logique. Ah non, ça va sauter. Salaud, tout le monde te déteste. Non, je plaisante, évidemment. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Ah mais j'en veux 5 moi, il sait pas ça. Là-bas. Et ouais. Super ça, bravo le jeu. Ah mais c'est normal que ça ait pas encore sauté étant donné que les machines n'ont pas commencé à travailler. Ah oui, c'est vrai. Ça va sauter. Ça va pas sauter normalement. Il me faut 10 rotors. C'est bon. Des tiges et des vis. Eh ben! Ouais, je sais que les cadres modulaires. Tu sais, Kenny, on en a 500 à envoyer dans l'espace. Tu m'as entendu, Kenny? Est-ce que Kenny. Kenny est absent. Kenny à la plage. Kenny aux toilettes. Kenny. Non, je suis là. Au supermarché. Non, il est là. Très bien. Tracteur. Mec, je vais faire un tracteur. Oh merde. Boum. J'avais pas pensé à ça. Fuck. Et... Ok. Il y a du biocarburant quelque part. Allô. Non, je crois que. Si, peut-être dans le coffre du hub. Je sais pas s'il y en a encore, mais je crois qu'on est arrivé à bout là. Non, menteur. Ok, c'est pas grave. Pas grave, menteur, c'est pas grave. Après, faudra faire ça. Du coup! Attendez, parce que j'ai quand même pas fini ma merde. Il faut faire générateur à charbon. Ok. 1. Des milliers de pylônes électriques. Genre. C'est où? Je suis aveugle, c'est là. Voilà. Mineur, MK1. Paf. Bah, il me faut tout ça. Tout. Il me faut tout. Je veux tout. Une foreuse portable. Ça coûte quoi déjà à faire? Il me faut 4 plaques de fer. Entendu. 1, 2, 3 et 4. Et 5 rotors. Dans le coffre, il y en avait une? C'est une blague. Putain, je me déteste. Ok, rotor. Ah! Ça y est, on arrive au moment où ça a sauté. C'était la machine de trop. C'était la machine de trop, dommage, Kenny. Ok. Attends, mais c'est un tracteur ça? Ouais, je vais partir avec. Acteur, ça. Ouais, j'ai prévu faire une petite sortie là. Incroyable de se dire qu'on a automatisé les plaques de fer renforcées. Ça paraît fou. Ça paraît fou, mais on l'a fait. Alors qu'au début, t'es là, mais qu'est-ce que je vais faire? Ah, mais en fait, qu'est-ce du biofuel va forcément en avoir besoin parce que bah, il en utilise le Kemtar. Oui, d'où le. C'est où l'essence? Okay. D'où mon c'est où l'essence. Mais par contre en fait je vais pas en fait je vais juste partir à pied pour mettre les poteaux électriques. En fait. Ouais. Alors les poteaux électriques. Le camion prend aussi le charbon. Yes. Pourquoi ça ressaute? C'est incompréhensible, je viens de rajouter une machine. J'en rajoute deux.
Mais qu'est-ce qui s'est passé là? On a rajouté quoi en fait là? Ah moi je fais rien, tu te débrouilles. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je fais rien du tout moi. Je connais pas la range des câbles, je me souviens plus. Oh c'est très grand. Comme j'ai rien fait d'électrique. Après okay. Sinon tu prends le câble et pas le pylône en fait. Ah ouais. Et quand tu cliques sur un pylône ça va tirer le câble et il va te dire au bout d'un moment. Donc, tu mets max range quoi. Ouais absolument. Ouais je vais totalement faire ça en fait. Comme ça que je fais. Si je pense qu'il y a des générateurs qui sont à sec, c'est pour ça que ça saute. Tout simplement. Et donc je vais amener de l'énergie là-bas. Ah ouais putain en effet c'est grand. Ah c'est... Hop j'en mets un là. Câble trop long depuis tout à l'heure il me le dit. Yes j'avais pas eu le message d'erreur. Ok. Ah ouais d'accord. En fait je pensais qu'en gros je regardais pas le centre de mon écran. Et je pensais que le poteau allait devenir rouge. Wouh. C'est dommage ça. Du coup il y a mon chat okay. qui spam câble trop long depuis tout à l'heure. Parce qu'ils comprennent pas que je ne regardais pas au bon endroit. On passe à un pur moment. Mec Ok charbon vite. Parce que là j'en peux plus. Ça arrive. Ah t'es parti pour ça? Bah ouais. Bon, le meilleur joueur de France en fait avec moi. J'ai vraiment aucun doute là-dessus. Oh non un mob. Attends deux secondes. Oui. Voyons. Attends deux secondes. Deux secondes là. Dis donc. Qu'est-ce que tu te prends pour qui là? Ah merde y'a son pote. Ok. Ouais, ça dégage là. Ok, charbon. Bon, il est genre là le gisement. Attends, mais quoi? Hein? Il est de l'autre côté. Allô? Il est de l'autre côté. Oh, j'ai envie de crever. Il est très loin? Il est juste là, j'ai juste envie de crever. Ok. Ouais, il est très loin du coup. Oh non. Non, mais attends. Passerelle. Fondation. Évidemment. Je vais quand même pas être un. Être un idiot alors que je suis un homme avec un cerveau. Construire un pont. Ouais, elle me dit ah pourquoi t'as dit, oh, attends. Je viens d'arriver là. Ragnaros de l'autre côté du vide. Attends, du calme. Attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est tombé, le Brain. Qu'est-ce que... Ragnaros. Draco feu. Diablo lui-même. Attends. Oh ça marche pas, il faut le truc V2. Oh putain. Attends, il me faut... Oh non, merde, il me faut le taser V2, ça leur fait pas assez de DPS. Ah ouais? Oh non, ça m'arrange pas. Si ça marche, ça lag. Hein? Comment ça, si ça marche? Mais du coup... Vous avez bien vu que non. Ah si! Ah oui! Parce que moi j'ai pas la chance d'être Kenny donc je lag quoi, c'est ça en gros. J'ai pas cette chance. En gros, c'est ce que vous m'expliquez. Je vais essayer de gagner du temps. On va essayer de gagner du temps. Ah, mais j'ai 1 milliard de béton donc là ce qui va se passer. T'es parti au gisement à 600 mètres, c'est ça? Bah, regarde où je suis sur la map en vrai, tu vas tout de suite voir. Oui, mec, il y a un atelier sur le camion. Hein? Oui, il y a un établi sur derrière le camion. C'est trop bien. C'est le meilleur truc. Meilleure invention en fait. Attends, mais comment tu mets la chance dedans? Ah, ça va, il est coincé. Il est coincé, il est idiot. Mob idiot. Aïe! Je vais mourir. Non, je peux mourir. Pas encore. Aïe! Non, mais lui il connaît que back. Attendez, il faut que je DPS. Voilà. J'ai la phase 2, le pop des ZAD là. Je suis où? Je suis là. J'ai fait masse biofuel. Du coup, j'ai ramené le camion. Ah, yes. Bah, viens donc. Je te le laisserai. What?
Suis les câbles en vrai. T'as posé des ah ouais, je vois. Je vois exactement où t'es. Ça va, ça le consomme pas trop trop vite en vrai. Oh merde, je viens d'écraser un truc terrible. Ah ouais, effectivement, c'est Diablo. T'as vu les mobs? Non, pas les mobs, mais je vois que ça brûle de partout. Non, mais tu vas voir, il y a des mobs, c'est Ragnaros. Mais il y en a là-bas derrière le mineur. Oh, c'est quoi ce truc rouge là-bas? Ok, donc là ça mine du charbon, c'est génial. Et maintenant? Générateur à charbon du coup? Ouais, c'est ça. La taille! Pardon, excusez-moi. Ah oui! S'il vous plaît. Ok. Et du coup, on sait pas combien il produit, on sait pas combien il demande. De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'à la sortie de l'usine, je vais devoir. Enfin, à la sortie du mineur, je vais devoir. Faire un. Non, mais en vrai, t'as pas besoin de faire ça. Non, mais c'est juste pour que ce soit plus propre. Je sais que j'ai pas besoin, mais. Tu peux le faire avec des trucs d'étage comme ça, là. Des petits trucs d'étage. Ouais, ouais, non, mais tranquille, de toute façon, je vais. Ah, j'ai zéro plaque de fer. C'est, bon, c'est tellement emmerdant. Je m'en occupe. Ouais, mais en fait, il faut. En fait, tu vois, il faut que juste que tu mettes un switch. Mets un switch ici, un switch qui divise par 3. Ici. Ok. C'est dans logistique, séparateur. Est-ce que tu penses qu'il va produire vraiment trop? Bah, les gens disent ouais, une mine, 12 000 générateurs. Et là, c'est un truc pur, donc. Ah oui. À mon avis. Putain, c'est chiant ça. Attends, on va. Je sais pas si. Est-ce que je peux peut-être mettre ça devant, genre? Ouais, c'est pas mal, hein. Genre comme ça. Ah non, il a pas voulu. Je fais des trucs. Ok. Trop coûteux. Ah oui, mais d'accord, je peux pas mettre de V2. Je voulais mettre un V2. Non, mais attends. C'est pas ça le plan, à mon avis. Ok. Enlève ça. Attends. J'enlève. À mon avis, tu mets un switch ici, un switch là et un switch là. Ah ouais? Ouais, je pense. Je pense que tu fais ça. Ok. J'ai assez, je pense que j'ai assez, mais je suis pas sûr. Oui. Tu vas peut-être tomber là. Non, c'est bon. En fait, je vais. C'est trop bien, on va revenir, on aura 1 milliard de ressources. C'est juste trop bien. Voilà. Et là, je peux mettre un V2, je pense. Sur cette distance, je peux. Ah merde, je me suis trompé dans la rampe. Voilà. Pas de chance. Il en produit 120 par minute, effectivement. Ouais, voilà. Donc, un convoyeur V2 split en deux, c'est bon. Ouais. Et tu vois, là, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on aura 5 générateurs. Mais avec la possibilité d'expandre sur la go... Bof. J'ai plus de plaque en fer. Yes. Mais t'as le camion. Ah, peut-être que. Ouais, j'ai le camion là-bas, donc on peut peut-être. Et moi, qu'on se sauve. Ouais, j'ai ce qu'il faut. Je vais pas l'amener là-dessus. On sait jamais. J'ai envie de le casser tout de suite. Moi, j'ai rien. Attends, le camion. Moi, j'ai envie de conduire ce camion-là. Oui, vas-y. Comment ça marche? Ça marche pas. Est-ce que t'es dedans? Non? Comment ça marche? Ah, parce que je suis peut-être dans l'atelier. Ah ouais, peut-être. Attends, je finis juste les plaques. Ouais, c'était complètement ça. Et vas-y, tiens. Ça me suffira, je pense. Trop marrant. Tu as le camion. Y a aucun moyen d'enlever les cailloux. Parce que les arbres, il y a la tronçonneuse, mais les cailloux, il y a pas un fourreur. J'en ai pas la moindre idée. Oula. Ça vient de sauter. On a plus d'électricité. Le mec, mais ça a sauté. Youpi! Est-ce qu'il y a un klaxon? Y'a un klaxon! Énorme. Mais du coup, si je. Drift? Zoop. Oh! Avec le lag, c'est pas. Vroom vroom! Merci Gorsin! Bon, c'est pas pire. Merci beaucoup. Ah ouais, du coup, je me suis vu en TPS. Putain, énorme. Le boss. Attendez. Ça ressaute. Ah ouais. Ah ouais. Non mais t'inquiète, ce n'est qu'un dur moment à passer, en vrai.
pourquoi en termes de kappa on est si bas là. Non mais tranquille, on s'en fout, on va arriver dans l'ère du charbon. Ouais, j'avoue. Donc on s'en tape. Sachant que toutes les 5,4 secondes il utilise un charbon. Effectivement. Oui. Ah ouais, un charbon toutes les 5,4 secondes, sachant qu'on en sort par minute 120. Attends, mais par contre, je suis en train de me dire que je vais prendre des plaques renforcées là. Et qu'on va en fait. Parce que, ah, mais là, ça fait trop chier ce qui se passe. Parce qu'en fait, on est. Notre truc de charbon, il y a zéro place. Donc faut qu'on l'amène grave, on ailleurs. On l'a fait la place. Mais non, on l'a fait la place. On fait des plateformes longues. Ah, tu veux faire dans le vide, genre? Bah ouais, on fait. Ouais, ok, t'as raison. Ouais, t'as raison. Bah j'arrive avec 1000 de béton. Ok. Tu ramènes le camion? Ouais. Ok, cool. Parce que je vais en avoir besoin. Pour l'atelier, je pense. J'arrive avec 1000 de béton. Attends, il y a une slug bleue là. Wouh! Wouh! On y va, mesdames et messieurs, c'est parti! Et merde. Électrolimace verte. Ah, par contre, faut faire gaffe avec le camion quand t'es pas l'hôte parce que des fois t'as des petits rollbacks. Ah oui. Faut un peu se calmer quoi. Oula. Dit-il en allant à fond. Il y a du cuivre juste en bas. Dit-il en allant le plus vite possible. Une double ration de frites. Putain, sérieux double, mec. Double ration de frites. Vraiment. Vraiment. Oh putain. C'est ça la République. Calme-toi. Pourquoi t'as ça dans la tête d'un coup? C'est, je sais pas, c'est du tir à l'aide. J'ai ton appareil de Xarit tout à l'heure et je sais pas. C'est son délire de chanter des chansons comme ça. Trop bien en même temps, DJ Khaled. Oui. Trop trop fort. Alors, je suis en train de construire un monde sur un monde. Faire des parkings. Je sais pas ce que c'est le truc rouge au bout du rocher, j'en ai aucune idée. T'as vu ce truc là, Kenny, ou pas? De. Une espèce de truc rouge au bout d'un rocher là, je pense que c'est un truc à rechercher ou un truc comme ça, mais. T'es en train de faire quoi là? Là j'étais en train de faire du biofuel. Truc rouge au bout d'un rocher. Là où je suis, le truc rouge il est là. Ah ouais? Ah mais ça doit être un work in progress ça aussi. C'est encore un whip ça. On les connaît. Ça c'est sûr que c'est un whip hein. Je vais regarder. C'est un whip ça. Vas-y dis-moi. Dis-moi ce que c'est. Que vois-tu Summer de... Sloop whip. Que vois-tu de là-haut? Ah ouais. Ouais, Summer Sloop whip. J'ai même pas envie de le ramasser. Mais non non, bien, ça mais... sert à rien les whips. Cela dit, on dirait un logo, le logo de Slipknot. De quoi? De Slipknot? Vu de face, on aurait dit ouais, je crois qu'il ressemble à ça. Je vais vérifier si c'est pas dit. Oh putain. J'ai failli tomber. C'est juste moi qui dessinais ça dans mes cahiers au collège pensant que c'est le logo Slipknot mais pas du tout. Voilà, c'est ça, je t'ai dit. Trop marrant. Oh, y'a une limace là-bas. Je vais me rappeler du truc. Mais putain, mais construis-toi, saloperie. Oui, oui, je sais que j'ai pas d'électricité, c'est pour ça que justement j'étais parti chercher des trucs. Je suis juste en train de faire une map. Oui, t'es en train de te construire une map. Une map créative en fait. Code créateur Zerator. Hein. Ah, mais là, on peut pas la faire en fait, c'est ça? Ah si, c'est génial. Ah non. Hein? Mais hein? Quoi? Ah, parce que là il y a un truc, mais en fait Kenny ouais, c'est ça. En fait Kenny il me déteste et il m'affiche pas cette plaque, c'est ça. Quoi? Non mais rien. Tu peux venir? Attends, j'arrive. J'ai besoin de ton aide. Pour la génération? Oui. Non, c'est pas ça, c'est que tu vas l'enlever et la refaire. Elle est où cette plaque invisible? Ici. C'est celle, regarde, regarde, celle qui est... Ouais voilà, là où t'es. Là où t'es exactement. Genre là tu voles. Merci à toi. C'est bon, tu la vois?
pense. Ouais, c'est good. Ah, j'aurais dû prendre de quoi faire des centrales à charbon, je suis un peu con, mais bon. Ouais, on peut faire ce qu'il faut, un petit aller-retour. De toute façon, dans tous les cas, avant les centrales, il faut remettre de l'électricité là-bas, dans tous les cas. J'ai plus de béton. Sans ça, il n'y a pas de charbon qui sort. J'ai plus de béton et je peux... Ah, le con. Bon, c'est pas grave, je reviendrai avec du béton, de toute façon. Je reviendrai avec du béton. Team Parking. Parking Nation. Mais attends, mais comment ça se fait que ça... Parce que ça, ça fait pas de l'électricité en direct, en fait, la centrale à charbon, là. Si, mais s'il n'y a pas de charbon qui rentre dedans, il n'y a pas d'électricité. Mais pourquoi il n'y a pas de charbon qui rentre dedans? Parce que la mine ne mine pas quand il n'y a pas d'électricité, tu vois ce que je veux dire? Du coup, faut quand même au moins allumer la mine une fois pour qu'elle commence à alimenter et que ça parte. Bah, il suffit qu'on mette un peu de charbon dedans. Et comme ça, on aura un peu... Ou sinon, oui, effectivement. Oui, oui, totalement. Genre la mine là, elle doit être full charbon en vrai. Je sais pas combien elle a. Ah non, elle a zéro. Mais attends quoi? Elle a déjà tout brûlé là? La centrale là? Ça m'étonnerait, je sais pas s'il faut, pas le traiter le charbon, tu le mets direct dedans. Attends, on ramasse du charbon et... Mais non, regarde, il y a 100 de charbon. Non, c'est juste qu'on a plus. On est quand même en hors charge. Ouais, c'est parce que là, de l'autre côté, il doit y avoir des machines qui ont surchargé. Qui ont plus de... Comment ça s'appelle? De biofuel. Ouais, 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 c'est ça. Je pense que c'est ça. Attends, c'est... Mais toi, c'est toi l'élec en chef. Hein. L'élec en chef. L'élec en chef. Comment on fait? Alors, du coup, pour faire les générateurs à charbon, 5 rotors. 3 Non mais ça je vais les amener là, je vais m'en occuper de ça. Mais en vrai ça prod depuis tout à l'heure, des rotors et tout, donc normalement... Bah non, y'a pas d'électricité. Oui, vrai, mais enfin depuis tout le temps on était là avant que ça saute. Ça ouais mais vrai. Ouais mais j'ai... Enfin les rotors pour le coup, ouais mais... Oh non. Ah. Non c'est bon, je croyais que j'allais tomber avec le tracteur, yes. Excuse-moi mais c'était vraiment... L'ascenseur émotionnel. Vraiment l'angoisse. 95 décibels, 12. Ouah, j'écrase les arbres avec mon camion. C'est vraiment America quoi. America. Ah par contre tous ces cailloux ça me gêne. Ça me saoule là, un moment il... Activer le pilote auto. Comment ça? Hein? Voilà. Hein? Oh voilà, putain mec, on peut faire... C'est incroyable, c'est incroyable. Ce que je viens de voir est incroyable. Quoi? On peut donner des paths au tracteur et après il les refait quand tu mets pilote automatique. Tu vois ce que je veux dire? Tu lui donnes des waypoints, pardon. Tu lui définis des waypoints et lui après il se débrouille pour les faire. Et tu peux genre envoyer le camion à ton pote. Bah ouais, exactement. C'est juste incroyable. C'est énorme. C'est vraiment le jeu de l'automatisation. T'es ouf. C'est trop marrant. Plaque de truc tige. Yes. Je m'occupe des centrales à charbon. Hein. Toi, fais électricité toi. Bah électricité c'est bon, hein, ça tourne. Mais en vrai là, ça y est, on a pas mal de ressources. Juste va falloir penser à continuer production d'acier. Ah, on était parti là-dessus. Oh ouais. Oh ouais. Oh ouais, ça a bossé là. Oh c'est... Oh là là. Comment ça, acier? Godal, de quoi tu parles là? C'est le jalon actuel, production d'acier. Ah oui, 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 c'est pour Ouais, ouais, tout à fait. Absolument. C'est prévu. Ouais, que 29 rotors, je pensais qu'on avait plus. J'ai pas bossé. Ah ouais, ça tombe bien, il m'en faut 25. Et ben voilà. Et ben voilà. Après, il y a toujours les 3 qui sortent de la... Qui sortent de l'usine là. Enfin, je me suis compris quoi. À fond. Yes. Eh. Quoi? Le béton là? Ça tourne plus le béton? Ah si, ça... Mais retourne c'est... depuis. C'est... Oui, c'est parce que je l'ai rallumé le temps que ça arrive. Ah merde. Il y a okay. Tout qui revient petit à petit. Ok. Tu veux pas remettre des plaques de fer pour la prod de plaques de fer renforcées? Genre, il en manque? Bah tu sais, il faut remettre des vis et des plaques de fer, comme ça, ça fait le... Ok. C'est parti. Je tente de lancer l'enregistrement pour le tracteur. C'est parti. Je vais essayer de faire propre. Ah ouais, celle-là, je pense qu'on peut l'overclocker sans trop de... Attends, je vais regarder, 28 mégawatts. Ah ouais d'accord, pour 50% de production en plus, tu doubles la production en énergie de la machine. C'est quand même beaucoup. Faut que je fasse qu'il se retourne aussi. Oh là tous les câbles. Nom d'une pipe. C'est hallucinant tous ces câbles. Mais là quoi, ça veut dire qu'il me faut un autre enregistrement sur une autre trajectoire.
Il faut pas les deux. Tu dois pas poser des gares routières peut-être pour comme Waypoint. Ouais, faut faire la boucle. Ok. J'ai bien compris. Donc clear path. De quoi? Okay. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'il faut que je. En fait, faut soit que je fasse la boucle entière, soit que je fasse une gare dans chaque truc en fait. Du coup, j'ai clear le path et voilà. D'accord. Fonderie avancée. C'est d'accord. C'est d'accord. Ah d'accord, la fonderie avancée elle te fait de l'alloy, donc de l'acier. De l'alloy ? De l'alloy, into alloy ingot. Enfin en gros elle te fait deux, elle te prend deux minerais et elle te les fond en un truc. Genre tu peux faire du coup genre du bronze, un truc comme ça je suppose. Voilà, du coup on a steel beam et lingot d'acier. 1, 2... Tuyau en acier. Oh, ça va commencer à devenir compliqué là. Oh putain. Oui. Oh oui, alliage pardon. Et 5. Comment on fait ça? Mais alors là quoi? Parce que il va falloir full MK2 là-dedans là. Fait chier. Les plaques de fer renforcées, j'ai l'impression qu'on va en consommer, mais genre par paquet d'un milliard. Tant pis, je vais. C'est juste fou. Non mais oui, c'est ça. C'est ça le problème. Voilà le problème. Mais il va nous en falloir plus. Vraiment plus. Alors, on va voir en termes de vis si c'est alimenté tout le temps. Ouais, ça descend, mais ça descend lentement les vis hein, là. Donc ça va, ça c'est pas trop un souci. Mais tu sais quoi, attends. Ok, bon. Parce qu'en fait. Ah non, j'ai pas pris assez de trucs pour faire les. Pour faire les ça. C'est ça. Ah si, c'est bon. Cool. Attendez, j'ai une idée là. Cette idée derrière la tête. D'accord. Ensuite, ça. Ouais. Ok. Tu veux juste virer ça? Ouais, je sais, pour la production d'électricité, mais de toute façon là, Zera est en train de faire les allers-retours, donc on devrait avoir de l'énergie très bientôt. Oui. Je me fais pas de soucis. C'est le cas. Donc ça va arriver. Non, je vais pas faire ça. Ce qu'il faut que je vois, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Oh merde, c'est pour ça que je voulais faire. Mais fous-moi la paix. Ah, y'a encore un truc que j'ai fait pop mais que je vois pas, c'est ça? Ah non, c'est bon. D'accord. Bon, maintenant, les poteaux électriques! Je peux les relier entre elles? Dites-moi que oui. Non, je peux pas, évidemment, je suis con, c'était vraiment une question con. D'accord, poteaux électriques. C'est pas si dur quand même. Ouais, mais quand même, c'était vraiment très con. Mec, la gare routière, elle est où? Tu l'as mise où? J'en ai pas fait. Pas fait de gare routière encore. Parce que dans la gare routière, je crois que on peut charger le camion. Donc en gros, limite, on pourrait faire des camions qui ramènent des ressources, justement. Oui, absolument. Mais attends, mais j'ai un bug là. Il se passe quoi? En fait, je viens de me rendre compte de ça à l'instant, alors que tu as compris depuis des heures. Mais arrête de dire des conneries. Attends, c'est quoi le problème là? Il se passe quoi là? Il y a une qui s'est éteinte. Le câble est derrière. Comment ça derrière? Parce que le câble passe à travers le générateur. Hein? Quoi? Ah d'accord. Ok. Donc tant pis, on va faire comme ceci. Pas celle-là. Okay. Qu'est-ce que j'ai branlé? Elles sont reliées entre eux, c'est pour ça? Yes. Bon, dis-moi, Kenny. Ouais.
Le rendement électrique, ça donne quoi là? Attends, je vais regarder. Genre là, ça donne quoi là? Ah, c'est pas mal là. Ça veut dire qu'on a actuellement 430 MW. Ah ouais, je vois. Oui, on est bien là. Très très bien. Parfait. Après, j'ai pas encore éteint la centrale à biomasse. J'en ai oublié une. Ah ouais, j'en ai oublié une. Mais est-ce qu'on peut les relier entre elles? Attends, je vais regarder un truc. Je vais les shutdown. Tu me dis quand t'as réussi à finir ta prod? Deux secondes. Et je vais les éteindre une à une pour voir si on arrive à... Mais par exemple. Putain de race. Tu vois, tu comptes en éteindre aucune là, on est d'accord? Non mais attends, en fait, je suis juste en train de voir si on peut pas les relier entre elles. Ah si, tu peux. Bah j'ai pas mais l'impression. Enfin, bon, tu peux, mais en fait normalement tu peux relier deux machines entre elles, sauf que bah elles ont qu'un slot de câble. Oui, mais voilà, c'est ça. Pas les renvoyer. Et du coup tu peux pas. Oui, oui, tu peux, mais ça sert à rien. Là c'est bon, elles sont toutes allumées normalement. Ok. Et voilà. On va voir, hein, je vais éteindre petit à petit. Ah non, pas celle-là. Elle est allumée celle-là. Marche pas celle-là. Si, elle marche. C'est juste qu'elle consomme que dalle, c'est ça. Ah ouais. Oh, c'est incroyable. Ah ouais. Ah oui, quand vous dites que ça consomme zéro, ça consomme zéro. Ah oui, donc effectivement, en fait, on peut mettre 1 milliard de centrales ici, en fait. Mais là, en fait, je te dis, j'ai bien d'éteindre toutes les centrales que j'ai de biomasse. Donc là, tout est éteint. Ah ouais. Attends, ouais, je vais regarder. Ah ouais, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, avec mes 12 centrales biomasse, on faisait 130 mégawatts. Ah ouais. Toi, t'en fais un trilliard. 1 million. Mais vraiment, non, elle est pas en pause, c'est méga clutch le truc de charbon en fait, c'est trop fort. Elle marche, elle est pas en pause. Là elle est en pause. Arrêtez de dire des conneries. Non non, là elle marche toute. Là c'est bon. Elle marche toute. Parce que là j'ai combien de charbon minute là? Là j'ai 120 charbon par minute. Et une centrale c'est combien? Ah bah du coup on sait pas. On sait pas combien ça non, fait par minute. On peut pas savoir exactement combien fait à l'unité à chaque machine. Nul, zéro, pire jeu. Je sais pas, comment va. Non, elle est pas reliée à l'élec. Celle-là, mais si. Ah non. Qu'est-ce qu'il a foutu Kenny là? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais si, il a mis un truc derrière. Si, c'est bon, vous inquiétez pas. Regardez. Arrêtez de dire des conneries là, putain, c'est incroyable ça. Ok. Bon, du coup, j'ai l'impression qu'on peut faire 6 centrales de plus. Parce qu'il en faudrait 12. Rien que ça. Ouais, on peut en faire 12. C'est pas mal. Non, 50 MW par machine, c'est évident. Faut le dire. C'est un truc de fou, putain. Mais attends, du coup, il faut que je fasse du... Oh, vraiment que je vide mon sac. Je vais vider mon sac. Je le fais en live. Allez. Mais non. Je vide mon sac dans ma boîte de stockage. Il vide son sac en live. Il dit tout. Okay. Ah, je peux pas faire une truc à la suite de ça. Bon bah c'est pas grave, regardez. On va faire comme ça. Et on y va. En fait, je vais tout démanteler. Oh, je peux pas y aller. Si, je peux y aller. J'y crois à mort. Voilà. Avec mes vieilles fondations là. Qui étaient buggées d'avant. Et wouh! Voilà, nickel. Bon, j'ai une nouvelle larve. Du coup, si j'overclock ma centrale à charbon. Qui est déjà sur un gisement pur en fait. Que va-t-il se passer? Est-ce qu'elle explose? Je vais regarder, hein, ça m'intéresse. Ah mais non, ah mais si, parce que j'ai le camion, du coup je peux faire mon truc d'électrolimace. Trop fort. Bah techniquement, on passe à 75 watts. Sinon on suit la logique. On avait pas déjà eu? Non. Unlimited power. Ah oui, mais après c'est le tapis qui suit plus, en effet. Potentiel infini. Unlimited power. Ah, parce que c'est pas exactement 50% sur les 5 points. Je reviens. Hop, moi je récupère tout là. Bon, du coup, idéalement, faudrait une gare routière au charbon.
Et une gare routière à la base, quoi. Mais bon. Bah en vrai, c'est pas si dur à faire que ça. Maintenant, il faut automatiser. Voilà, c'est bon. Maintenant, je peux partir sur mon idée. Enfin. Hein. Trop bien l'électricité. Est-ce qu'on peut mettre une pile dans le tracteur? Ah, ça, je sais pas. Overclock le tracteur. Pouf! C'est vrai que là, il va qu'à 50 km/h. Il est encore en rodage, quoi. Il me faudrait un peu plus de plaques en fer, je pense. Ouais. Arrête-toi! Ouais, ouais. Il y a des plaques en fer. Voilà, c'est parti. Je sais pas comment on l'éteint. Parce que là, j'ai l'impression qu'il consomme du carburant en fait. Tu lui enlèves son carburant, ou alors peut-être que tu. Là où il y a le carburant, il y a un truc rouge. Tu vas dans l'atelier, t'as un onglet véhicule et tu peux peut-être éteindre en appuyant sur le bouton, je sais pas. Espace? Ça fait juste rien. Quand t'avances pas, il consomme rien. Ok. Bon, en tout cas. C'est cool. Là maintenant, on a de l'électricité. C'était un peu unlimited power. Ça me fait plaisir. Bravo.